Amis Gardois, de retour pour cette nouvelle saison derrière l'OAC, cette fois-ci en National 2. Et pour reprendre en vue de ce nouvel exercice, on est avec l'une des nouvelles recrues estivales de l'OAC, Daïssam Benacer. Daïssam, voilà pour commencer une petite bio express. Tu es né il y a 24 ans en France, à Vichy. Tu as la double nationalité, franco-tunisienne. Comme parcours, tu es passé en équipe de jeunes par Moulins, Clermont, Montluçon, avant de retourner un petit peu au pays, au stade tunisien. Deux aventures italiennes du côté de... c'est quoi, c'est Kazan et Lavagnese, c'est ça, ouais, c'est avant ça. De signer il y a quelques semaines du côté de l'OAC. Quel est ton regard un peu sur ce parcours? Franchement, je trouve que pour mon plus jeune âge, quand même, j'ai quand même voyagé. Surtout en jeune, j'ai fait pas mal de petits clubs autour de la région. Et voilà, après la première expérience à l'étranger en Tunisie, et après j'ai enchaîné des expériences en Italie et me voilà de retour en France. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de revenir au pays? De revenir en France, franchement, après 4 ans, c'est ça, 4 ans à l'étranger, à parler d'autres langues, etc., c'est un peu compliqué. Donc revenir en France, c'est toujours bien, les racines et surtout la famille. Ouais. Quand tu étais enfant, adolescent, quel était ton rêve en lien avec le football? De quoi avais-tu envie? Jouer le plus haut possible, comme tout footballeur, j'imagine. Le plus haut, c'est la Ligue des Champions, après voilà, le plus haut possible, mais... Voilà, je me fixe pas vraiment de limite, je me laisse kiffer le moment et voilà. Est-ce que le rêve de devenir professionnel à 24 ans, c'est encore dans un coin de ta tête, ça reste un objectif ou c'est digéré entre guillemets? Non, oui, bien sûr, ça reste toujours un objectif. Après voilà, le plus important, ça reste de prendre du plaisir sur le moment même. Et voilà, j'y pense pas vraiment, mais ça reste quand même dans un coin de ma tête. Alors, raconte-nous un petit peu comment s'est opéré ton transfert ici du côté de l'OAC. Je crois que tu connaissais un ancien joueur de l'OAC, c'est ça? Voilà, raconte-nous. J'en connaissais deux, je connaissais Joseph et surtout Selman. Et pendant l'année, on discutait un peu avec Selman, voilà. Il disait que ça se passait bien, etc. Et du coup, voilà, j'étais amené à venir faire 2-3 jours d'entraînement début juin. Ça s'est super bien passé, et avec le staff, avec les joueurs. Et voilà, du coup, quand on m'a proposé... de signer, j'ai pas hésité une seconde. Et justement, ces deux joueurs-là, ils sont partis depuis, ils n'ont pas pu t'aider du coup à t'intégrer. Ouais. Tu t'entraînes au club depuis un gros mois maintenant, comment s'est passée ton intégration? Franchement, super, rien à dire, il y a que des mecs accueillants, agréables. Et je pense qu'on a vraiment un bon groupe, il y a des bons gars et c'est peut-être ça qui fera la différence, je pense, cette année. D'accord, je sais que depuis plusieurs saisons maintenant, l'OAC et son staff sont réputés pour leur exigence sur le plan athlétique, tactique. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens depuis ton arrivée ou est-ce que finalement c'est plus ou moins la même chose que dans tes précédents clubs? J'ai eu la chance de côtoyer un peu le haut niveau, donc je sais ce qui se passe plus haut, mais après, la vérité ici, il y a beaucoup d'exigences. On court beaucoup, Arnaud vous le dira, et sinon ouais, tactiquement avec le coach on bosse bien aussi, donc je trouve que quand même il y a un certain niveau d'exigence qui est élevé ici. Je crois que tu évolues au poste de milieu relayeur capable de jouer en 6, peut-être un peu plus haut aussi en 10. Tu évolues donc dans un secteur à forte concurrence ici à l'OAC, il y avait des anciens joueurs du club qui sont installés au poste. Est-ce que tu dirais que c'est bloquant un petit peu de ne pas savoir si tu vas être titulaire le week-end ou est-ce qu'au contraire c'est stimulant d'avoir cette concurrence, de devoir batailler toute la semaine d'entraînement pour espérer être titulaire? Non, au contraire, moi je trouve pour moi c'est stimulant parce que voilà, si tu sais que tu es titulaire, tu te reposes sur tes lauriers, donc c'est pas forcément bon. Et voilà, si tu sais que tu es remplaçant et que tu fais la gueule et que tu t'entraînes mal, etc., ça va pas changer. Donc c'est mieux, c'est plus stimulant de... qu'il y ait de la concurrence et que personne ne sache vraiment qui va jouer le week-end. Donc, je trouve que c'est mieux et il faut de la concurrence, de la bonne concurrence, mais il en faut. Dans un groupe, c'est important. J'ai lu dans une interview de toi qui date un petit peu maintenant que ton joueur préféré, c'était Luka Modric. Est-ce que c'est toujours le cas et pourquoi ce choix? C'est toujours le cas parce que je trouve que quand même, il a une certaine longévité dans sa carrière. Là, il a 35 ans passé, je pense, et il continue de gagner des trophées et de jouer comme il le fait. Et voilà, c'est un magicien, rien d'autre à dire. Toute proportion gardée, bien sûr, c'est un joueur qui se rapproche des qualités que tu peux avoir, toi, en tant que milieu de terrain. On te voit très élégant avec le ballon, également sans, tu as une intelligence de jeu, une vision du jeu. Même si c'est toujours difficile de parler de soi, comment tu te définis en tant que joueur?
Bon, après, ouais, c'est toujours difficile, mais après, ouais, je suis quelqu'un qui court beaucoup sur le terrain. Déjà, ouais, physiquement, je donne sans compter. Après, voilà, j'ai la petite touche technique qui fait que voilà, j'arrive à me sortir de certaines situations. Donc voilà, ouais. C'est un peu difficile, quoi, de se définir, mais ouais, je dirais ça, ouais. Quelqu'un qui court beaucoup, qui a la petite touche technique. Je peux aussi défendre et attaquer, donc une certaine polyvalence, donc voilà, ces qualités-là. J'ai vu justement lors de tes précédentes expériences que tu étais capable de marquer, de faire des passes décisives régulièrement. C'est aussi ça ton envie, être décisif cette saison? Ouais, c'est le but, être décisif le plus possible et surtout aider l'équipe. Hein. Et c'est comme ça qu'on l'aide. Après, le plus important, c'est vraiment dans le jeu et c'est ça qui va amener le fait que je serai décisif, que ce soit par une passe D ou par un but. Donc, voilà. Comme je disais, tu es encore jeune, tu as 24 ans. Quels sont tes axes de progression selon toi? Sur quel point tu peux encore t'améliorer? Sur quel point je peux encore m'améliorer? Je dirais un peu plus gérer mes efforts. Et voilà, après, aussi tout ce qui est vivacité, etc. Et bah, après, tactiquement, je pense qu'il y a aussi une bonne progression à avoir. On a vu le coach essayer plusieurs systèmes là, sur les matchs amicaux du côté de Saint-Crissol. Par exemple, c'était un 4-3 dans lequel tu as débuté en tant que titulaire, en tant que justement milieu relayeur, c'est ton poste. Est-ce que c'est là où tu te sens le mieux dans ce système-là? Ça peut te convenir à merveille? Ouais, c'est là où je me sens le mieux parce que, comme j'ai discuté avec le coach, c'est là où je peux, je pense, exploiter mon plein potentiel. Je peux défendre en même temps attaquer. Et voilà, je trouve qu'à ce poste-là, il y a une certaine liberté, même si voilà, on doit rester défensivement en place. Je trouve qu'il y a une certaine liberté offensivement et c'est ça qui me plaît en fait dans ce poste-là. Quels sont les objectifs personnels que tu t'es fixé en arrivant au club qui peuvent servir le collectif ensuite? Comme j'ai dit précédemment, hein, franchement, c'est d'être le plus décisif possible, jouer le plus de matchs et apporter ce que je peux apporter à l'équipe. Quoi. Et voilà, peut-être que tu n'auras pas envie de répondre, c'est peut-être un secret de vestiaire, mais est-ce qu'entre vous, joueurs staff, vous êtes fixé un objectif cette saison très ambitieux, peut-être celui de monter, d'enchaîner avec une deuxième montée, c'est arrivé à plusieurs clubs. ça restera entre nous, après la vérité, ça reste quand même le terrain. On a beau parler avant, se fixer quelques objectifs, mais la vérité, c'est le terrain, les 90 minutes et chaque week-end, faudra bosser hein, parce qu'on est les petits nouveaux, donc voilà. Il y reste un dernier match amical ce week-end à domicile entre guillemets, puisque vous allez recevoir au stade de Hypotex à Uzès. Ensuite, ça sera le lancement dans le Grand Bain avec un déplacement d'entrée à Lyon-la-Duchère. Est-ce qu'il y a une petite appréhension de savoir où vous vous situez par rapport aux autres équipes? Est-ce que vous êtes relativement confiant? Non, on reste quand même confiant. Je pense qu'on a fait une bonne prépa jusque-là. Il nous reste encore un match dans 2 jours à Uzès. Et voilà, mais je pense que petit à petit, il reste quelques petits réglages à peaufiner. Mais sinon, je pense qu'on est prêt et on y va confiant. On va confiant à la Duchère. Hein. Issam, merci beaucoup pour cette première interview. J'espère qu'il y en aura d'autres peut-être après les matchs, après les buts. J'espère aussi. Ouais. Merci à toi. Merci.